Cette cinquième session, c'est mettre en commun clairement les mesures, voir un peu quelles sont les mesures des autres. On passe un cap, hein, si je peux dire, on va arrêter avec les groupes de travail, on va au fur et à mesure être en hémicycle, être tous ensemble, pour pouvoir délibérer sur les mesures qu'on a tous vues en groupe. C'est un sacré gros pas, étant donné qu'il va forcément y avoir beaucoup de critiques, je pense, de réticences de la part des personnes qui n'ont pas forcément eu les mêmes données que nous, les mêmes informations. Moi, je suis dans Se déplacer. Il y a beaucoup, beaucoup de mesures hein, sur plein de thèmes différents, notamment sur la voiture individuelle, sur l'aviation, sur le fluvial, sur le ferroviaire. Il y a vraiment sur tout, en fait, on essaie de toucher un peu à tout pour justement réussir notre mission, qui est celle de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour notre groupe, on a eu une personne sur la SNCF, une autre sur la CFDT, et c'était vraiment très enrichissant parce qu'on voyait qu'en fait, en réalité, il n'y avait pas une opposition nette entre la SNCF et les personnes qui dirigent les camions. Au contraire, il y avait une envie d'être ensemble, de faire quelque chose ensemble pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Ils n'étaient pas forcément opposés l'un à l'autre. Donc c'est super intéressant. On repense du coup certaines choses qu'on a pu voir avant. On se dit, ok, peut-être qu'on va pouvoir essayer de les scinder ensemble, ces normes-là, pour trouver un truc qui fasse que tout le monde puisse se rejoindre, se retrouver. Voilà. Moi, personnellement, je suis déjà très impliquée au niveau environnemental parce que mon papa travaille dans l'environnement, domaine environnemental. Du coup, j'ai déjà eu quelques notions de problématiques, etc. L'écologie, je suis pour, évidemment. Et du coup, quand j'ai entendu ça, ça m'a motivée. Je dis, ouais, j'ai peut-être une chance de faire quelque chose, en tout cas à mon niveau, pour faire quelque chose. Je pense qu'on donne tous le meilleur de nous-mêmes. C'est ce qu'il faut. Après, si ça n'arrive pas à aller plus loin, tant pis. Nous, on aura fait notre maximum. C'est le moment d'avoir un impact. Autant essayer de l'avoir et autant être acteur de cet impact.